Bienvenue à la première séance en direct du nouveau projet de J.H. Leclerc, Un prof te lit. C'est un immense honneur pour moi de te raconter cette toute première histoire. Mon nom est Julie Boivin et je suis enseignante en français en secondaire 5. Je suis également enseignante ressource auprès des élèves de secondaire 1 et 2. J'ai choisi pour l'occasion un texte de Michel Tremblay, auteur québécois renommé, texte qui s'intitule « Le fantôme de Don Carlos ». Il s'agit d'une nouvelle littéraire fantastique qui exploite le sujet du spiritisme et aborde le thème de l'amour familial. Cette histoire, je l'espère, te divertira. Je la dédie tout spécialement à mes élèves et à tous mes anciens à qui j'ai fait la lecture très souvent durant leur année scolaire. L'équipe d'Un prof te lit espère que ce divertissement saura te plaire et te permettra de renouer au fil des semaines avec les enseignants de ton école. Je t'encourage à communiquer tes impressions et tes questions sur l'histoire en utilisant l'icône de clavardage. Tu le reconnaîtras en haut à droite de ton écran par le petit point d'interrogation. Bonne écoute. Mon oncle Ivan était célèbre. Tout le monde le connaissait, mais personne n'en parlait jamais publiquement. Mon oncle Ivan était spirite. On disait de lui qu'il pouvait communiquer avec les âmes des morts grâce à un don que lui avait donné jadis une quelconque princesse hindoue. De fait, mon oncle possédait vraiment ce don. J'ai assisté dans mon enfance, mon oncle est disparu alors que j'étais à peine âgée de 15 ans, à des séances bien extraordinaires. Ayant perdu mes parents alors que j'étais jeune, je fus accueillie, instruit dans les choses de la vie et chéri par mon oncle Ivan. Malgré toutes les horreurs qu'on racontait sur son compte, par exemple qu'il était homme sans foi ni loi, qu'il avait vendu son âme au diable et autres stupidités du genre, mon oncle Ivan était un homme en tout point admirable. Homme très érudit, il était le meilleur professeur qu'on puisse imaginer. Il savait expliquer les choses les plus compliquées d'une façon très simple et très claire, ce qui me permit, avec l'intelligence et les quelques talents que Dieu m'avait donnés, d'avancer assez rapidement dans tous les domaines, et surtout dans le domaine des sciences. Mais mon oncle refusa toujours de me parler de son don. Quand j'abordais le sujet, il se fâchait. Ses colères étaient terribles et me disait que jamais, au grand jamais, il n'accepterait de me dévoiler ses secrets. Il me semble encore l'entendre crier. « Tu veux devenir un médium comme moi? Oh, pauvre, pauvre enfant, tu ne sais pas ce qui t'attend. Jamais tu ne deviendras médium. Je refuserai toujours de te transmettre mon don, car c'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Oh, je t'aime beaucoup trop, je t'aime beaucoup trop! » Tous les vendredis soirs, pourquoi le vendredi, je ne saurais dire, un groupe de 6 ou 12 personnes envahissait le salon de notre demeure et mon oncle invoquait les esprits. J'ai vu pendant ces séances extraordinaires des choses vraiment tragiques. J'ai vu des femmes perdre connaissance en voyant paraître devant elles qui son mari, qui son fils, qui sa mère. J'ai vu des hommes, pourtant très braves, se lever et sortir de la maison en poussant des cris d'épouvante parce que quelqu'un, un mort, qui était venu de l'autre monde, les avait touchés. J'ai même vu une femme en pleurs, embrasser passionnément l'image de son mari défunt. Mais la chose la plus effrayante, la chose la plus terrible et la plus terrifiante qu'il m'ait été donné de voir dans ce salon maudit fut le fantôme de Don Carlos. Isabelle Del Mancio est une des femmes les plus riches et, disait-on, la plus belle femme d'Espagne, était venue un jour visiter notre petit pays. En homme distingué qu'il était, le premier ministre avait préparé un grand dîner en l'honneur de cette noble dame. Malheureusement pour lui, mon oncle Ivan fut invité à la fête. Mon oncle Ivan, malgré qu'il fût, comme je l'ai déjà dit, un homme admirable, était très peu sociable. Il n'était vraiment pas fait pour vivre en société. Aussi avait-il la réputation d'être un grand sauvage, et c'était vrai. Mon oncle préférait la compagnie de ses livres, et je puis le dire, sans fausse modestie, ma compagnie, à celle de ces insoutenables aristocrates, comme il se plaisait à les appeler. L'invitation du premier ministre lui fut donc très peu agréable. « Tu devrais te sentir flatté,
lui dis-je, qu'un premier ministre t'invite à dîner en compagnie de la plus belle femme d'Espagne? Mon oncle Ivan sourit et dit doucement, « La plus belle femme d'Espagne, mon garçon, ce n'est pas Isabelle del Mancio, la plus belle femme d'Espagne. » Mon oncle ferma les yeux et me dit tout bas, « Je te la ferai voir un jour. » Mon oncle Ivan déclina l'invitation, une mauvaise migraine. Mais Isabelle del Mancio était une enragée de spiritisme. Elle avait entendu parler de mon oncle Ivan et tenait absolument à faire sa connaissance. Quand elle vit que mon oncle n'était pas présent à la fête offerte en son honneur, elle fut très vexée. Tout de suite après le dîner, elle exigea qu'on fît venir sur le champ le malade. « J'ai parcouru des milliers de milles pour rencontrer ce méridium. » Ici, le premier ministre fut un peu froissé. « J'arrive enfin dans ce pays de malheur et on me dit que ce monsieur ne veut pas me voir sous prétexte qu'il a une grosse migraine. On ne sait donc pas vivre dans son pays. » Donc, Ivan refusa catégoriquement de se rendre chez le premier ministre. Cependant, il accepta d'inviter Isabelle del Mancio à la séance de spiritisme du vendredi suivant. Ce soir-là, avant de se coucher, mon oncle Ivan eut de bien étranges propos. « J'espère, me dit-il, que cette Isabelle del Mancio ne connaît pas le fantôme de Don Carlos. » La première chose dont Isabelle del Mancio parla le vendredi suivant fut le fantôme de Don Carlos. Mon oncle pâlit et les muscles de sa joue tressaillirent, ce qui marquait chez lui une profonde nervosité. Isabelle del Mancio s'en aperçut. Ce fantôme devait être bien terrible pour faire pâlir mon oncle Ivan. Mais je vais tenter de rapporter le plus fidèlement possible la conversation qui s'engagea alors entre Isabelle del Mancio et mon oncle. « Je vois, dit-elle, que la réputation de Don Carlos n'est plus à faire. Tous les médiums semblent le connaître et tous refusent d'entrer en relation avec lui. » J'ose espérer cependant que vous, qui êtes le peut-être le plus, je vous prie, madame, coupa mon oncle, de ne pas me demander. Mais Don Carlos ne doit pas être si terrible. Si, madame, il l'est. Comment pouvez-vous le savoir? Vous l'avez vu? Je l'ai vu. Et même si je ne l'avais pas vu, je refuserais quand même de le contacter. Don Carlos est un nom tabou dans le domaine du spiritisme. On ne peut pas le faire apparaître qu'une fois et... Comme vous le disiez à l'instant, tous les médiums le connaissent, mais aucun ne veut avoir affaire à lui. Comment se fait-il alors que vous l'ayez vous? Ce serait une histoire trop longue à raconter. D'ailleurs, j'aime mieux l'oublier, ou du moins je veux essayer, car on n'oublie pas Don Carlos lorsqu'on l'a vu, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Dites-moi comment il est, au moins. Je vous en prie, madame, insister me vexerait. Isabelle n'insista pas. La séance commença et ne fut pas un grand succès. Isabelle del Mancio avait assisté à un nombre incroyable de séances de cette sorte et rien ne pouvait plus l'intéresser, rien, sauf le fantôme de Don Carlos. Mon oncle Ivan le vit bien et sembla en proie à une grande inquiétude durant toute la soirée. La séance se termina sur l'apparition de l'âme du père d'Isabelle. Mais celle-ci n'adressa même pas la parole à son père. Elle l'avait vu tellement de fois depuis sa mort qu'elle n'avait plus rien à lui dire. Avant que les invités ne partissent, je vis mon oncle s'approcher de l'Espagnol et lui demander quelque chose. De grosses sueurs perlaient sur son front et sa voix était défaillante. Isabelle sourit et vint s'asseoir à côté de moi, sur un gros divan, près de la cheminée. « Votre oncle me semble bien nerveux, » me dit-elle d'un ton badin. Je sentis que quelque chose d'horrible allait se passer à cause de cette femme. Et c'est alors que je commençais à la détester. Quand tout le monde fut parti, mon oncle Ivan vint nous rejoindre sur le divan. Il prit les mains de la belle Espagnole entre les siennes. « Je peux vous faire voir le fantôme de Don Carlos, si vous le voulez, » dit-il. « Je suis vieux maintenant et le spiritisme commence à m'ennuyer. » Voyez-vous, le fantôme de Don Carlos est la dernière chose qu'un médium peut faire apparaître. Quand il reçoit son don, le médium s'engage à communiquer avec ce fantôme une fois dans sa vie et il est obligé de tenir sa promesse. Ensuite, tout est fini pour lui. Je pensais à ce moment-là qu'un médium perdait son pouvoir quand il faisait apparaître le fantôme de Don Carlos. Oh, si j'avais su.
Si j'avais su. Ma carrière tire à sa fin, continua mon oncle. Et j'ai décidé ce soir de la couronner en faisant apparaître pour vous le fantôme de Don Carlos. J'ai tenu à le faire en secret parce qu'on ne peut montrer le fantôme de Don Carlos à n'importe qui. Il faut posséder une immense dose de sang-froid pour faire face à ce fantôme. Je sais, madame, que vous possédez ce sang-froid. Si vous voulez voir Don Carlos, vous le verrez. Mais je vous avertis. Ce que vous verrez sera épouvantable. Et Isabelle Del Mancho se mit à rire. Il n'y a rien qui puisse me faire peur, dit-elle. Pas même le diable en personne. J'essayais de dissuader mon oncle de mettre son projet à exécution, mais ce fut en vain. J'eus beau lui dire qu'il serait dommage de perdre son don à cause d'une Espagnole un peu trop belle qui ne saurait même pas le remercier. Rien n'y fit. Le temps est venu pour moi de faire disparaître Don Carlos, me répondit-il. Isabelle Del Mancio semblait très heureuse à la perspective de pouvoir enfin contempler le fameux fantôme de Don Carlos. Que lui importait le prix de cette apparition? Depuis le temps que j'en entends parler! Et un sourire passa sur ses lèvres sensuelles. On me dit qu'il est très beau! Non! Cria mon oncle Ivan. Don Carlos n'est pas beau! Mon oncle Ivan me dit d'éteindre toutes les lumières de la maison et de fermer toutes les portes et toutes les fenêtres. Nous habitions une immense maison au bord de la mer, une grande maison isolée qui pouvait avoir 300 ou 400 ans. Quand tu seras revenu au salon, dit-il, ferme la porte derrière toi, éteins toutes les lumières, sauf celles qui se trouvent au-dessus de la table ronde, et cache-toi dans le coin le plus sombre de la pièce. Surtout ne te montre pas. Sous aucun prétexte, tu m'entends? Sous aucun prétexte! Quand je revins au salon, mon oncle Ivan se tenait debout au milieu de la pièce et regardait l'immense glace qui pendait au-dessus de la cheminée. « C'est par là, dit-il enfin, qu'arrivera Don Carlos. » Isabelle se mit à rire. Elle ne savait que rire, cette femme, et déclara qu'elle voulait absolument acheter le miroir quand tout serait fini. « Je veux emporter Don Carlos avec moi! » déclara-t-elle. Mon oncle la regarda sévèrement. « Quand vous aurez vu Don Carlos, dit-il, vous ne voudrez certainement pas l'emporter avec vous. » Je me dissimulai derrière une tenture, dans un coin très sombre du salon, pendant que mon oncle Ivan et Isabelle Del Mancio s'asseyaient à la table ronde. « Avant de commencer, chuchota mon oncle, je dois vous prévenir d'une chose. Il ne faut pas que Don Carlos sache que nous sommes ici. » Il ne faut pas que Don Carlos nous voie. Lorsque vous le verrez, ne faites pas de bruit. Surtout, ne parlez pas. Oh, comme c'est dommage, déclara Isabelle en rejetant sa tête en arrière. Moi qui voulais séduire votre fantôme. Comme je haïssais cette femme, comme je la haïssais. Mon oncle étendit ses mains sur la table ronde et dit à l'espagnol de joindre ses doigts aux siens. Il proféra alors des mots que je ne compris pas et qu'Isabelle sembla trouver très drôles. Je la voyais qui riait en regardant mon oncle faire ses incantations. Si j'avais pu à ce moment-là prévoir ce qui allait se passer, j'aurais tué Isabelle Del Mancio et j'aurais sauvé mon oncle Ivan. Je n'entendis tout d'abord qu'un léger bruit. Bruit presque imperceptible qui semblait venir d'au-dessus de la cheminée. Mon oncle Ivan se pencha vers Isabelle et lui chuchota. « Ne regardez pas le miroir tout de suite. Je vous avertirai quand vous pourrez regarder. » Isabelle détourna la tête, mais moi, je continuai à regarder dans la direction du miroir. Le même faible bruit se répéta à plusieurs reprises et une douce lumière orangée illumina soudain la glace. Mon oncle continuait toujours à marmonner des paroles incohérentes. Il ne regardait pas lui non plus dans la direction du miroir, mais moi, je regardais. Tout à coup, mon oncle Ivan se leva précipitamment et se jeta sur moi comme un fou. « Ne regarde pas le miroir! Ne regarde pas le miroir! Il pourrait te tuer! Don Carlos pourrait te tuer! » Au même moment, un bruit épouvantable emplit toute la pièce et le miroir vola en éclats. Un coup de vent formidable souleva les draperies pendant qu'un sifflement perçant me déchirait les oreilles. « Malheur !» cria mon oncle Ivan. « Le miroir est brisé!
Le miroir est brisé, Don Carlos ne pourra plus repartir. Une longue traînée de fumée bleue était suspendue au milieu de la pièce. Il est déjà là, dit mon oncle Ivan. Surtout ne faites pas de bruit, sous aucun prétexte. Il alla s'asseoir à sa place, sous le lustre allumé près d'Isabelle Del Manzio. Celle-ci semblait s'amuser énormément. La fumée tournoyait dans le salon en formant une longue spirale qui partait du plafond et qui se terminait au plancher. La spirale tournait de plus en plus rapidement. On entendait comme le sifflement d'un ouragan éloigné qui se rapprochait de seconde en seconde. À un certain moment, la fumée tournait tellement vite qu'on ne la vit plus. Elle était devenue une sorte de lumière transparente et bleue. Alors j'entendis le plus formidable hennissement qu'on puisse imaginer. Cela tenait à la fois du cri d'un animal et du bruit du tonnerre. Dans la lumière bleuâtre, la forme indécise d'un cheval blanc se mouvait. C'était un cheval magnifique, à la crinière extrêmement longue et à la queue superbe. Oh, « Quel beau cheval !» chuchota Isabelle Del Manzio. « Taisez-vous !» répondit mon oncle. « Vous voulez notre perte ?» Le cheval hennit de nouveau et se mit à trotter dans le salon. Il fit le tour de la pièce deux ou trois fois, puis revint se placer dans la lumière bleue. Il leva alors la tête vers le plafond et hennit tout doucement. Je vis alors apparaître l'être le plus extraordinaire et le plus répugnant à la fois qu'il ait été donné à un humain de voir. Ce n'était pas un homme, c'était un véritable titan. Assis sur son cheval, Don Carlos paraissait encore plus grand qu'il ne devait l'être en vérité. Sa tête touchait presque le plafond. Je n'avais jamais vu figure si laide et regard si hargneux. Je ne puis décrire ici l'horreur que ce géant m'inspirait. Il était laid, d'une laideur quasi insupportable, et sa grandeur extraordinaire ajoutait encore à cette laideur. Il regardait autour de lui comme s'il eût cherché quelque chose qu'il ne pouvait trouver. Son front était plissé et il semblait en colère. Il descendit de cheval et fit le tour du salon comme l'avait fait le cheval auparavant. Isabelle Del Manzio ne riait plus. Elle était extrêmement pâle et s'agrippait aux épaules de mon oncle Ivan. Don Carlos semblait de plus en plus furieux. Il remonta sur son cheval. Ce dernier se dirigea d'un pas lent vers le miroir. Mais soudain, Isabelle se leva et s'approcha du cheval. Mon oncle et moi ne pûmes réprimer un cri de stupeur. Nous criâmes juste comme Isabelle touchait le cheval du bout des doigts. Le cheval se cabra comme si une main de feu l'eût touché. Don Carlos se tourna vers Isabelle, sembla l'apercevoir pour la première fois et se pencha vers elle. Il la regardait droit dans les yeux. Isabelle semblait hypnotisée par son regard et ne bougeait plus. Don Carlos enleva lentement son gant droit et appliqua sa main sur la figure d'Isabelle. Ses ongles pénétrèrent dans la chair de la jeune femme et, pendant qu'Isabelle hurlait de douleur, cinq filets de sang coulèrent sur son visage. N'y tenant plus, mon oncle Ivan se le jeta sur Isabelle Del Manzio. Il tenta de toutes ses forces de la soustraire à l'étreinte du fantôme, mais sans résultat. Il courut alors à la cheminée, s'empara d'un énorme chandelier et frappa Don Carlos au bras gauche. Don Carlos ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il lâcha enfin la pauvre Isabelle qui s'écroula sur le plancher. Quelques morceaux de chair restèrent accrochés aux ongles de Don Carlos. Mon oncle laissa tomber le chandelier en criant « Sauve-toi! Sauve-toi avant qu'il ne soit trop tard! Don Carlos nous a vus, nous sommes perdus! Non! » Non, pourtant, il nous reste encore une chance. Ouvre, ouvre la fenêtre toute grande. Don Carlos croira que c'est le miroir et s'y précipitera. En ce temps, Don Carlos, qui était descendu de cheval, s'était dirigé vers le miroir et s'était rendu compte que celui-ci était brisé. Il se retourna lentement et regarda mon oncle, toujours en se tenant le bras gauche. « Vite, dépêche-toi !» cria mon oncle. Je me précipitai vers la fenêtre la plus proche et l'ouvris toute grande. Le vent s'engouffra dans la pièce et effraya le cheval de Don Carlos. La bête sembla effrayée à un point incroyable. Elle se mit à courir en tous sens dans la pièce, renversant tout sur son passage. Don Carlos la saisit par la crinière et grimpa dessus.
Mon oncle s'était plaqué contre le mur pour éviter le cheval. « Sauve-toi! Sauve-toi! Don Carlos est en colère! Rien ne pourra l'arrêter maintenant! Le miroir est brisé! Don Carlos ne pourra plus repartir! » J'assistais alors au spectacle le plus horrible de ma vie. Vision atroce qui laisse en moi un vertige infini de peine et d'horreur. Le cheval de Don Carlos galopait en tous sens dans la pièce pendant que son maître se retournait sans cesse pour ne pas perdre mon oncle Ivan de vue. Mon oncle, lui, courait pour éviter de se faire piétiner par la bête folle. Le corps d'Isabelle del Mancio gisait écrasé et sanglant près de la cheminée. Moi, j'étais dissimulée derrière ma tenture et ne pouvais bouger, paralysée par toutes les horreurs que je voyais. À un moment donné, le cheval passa très près de mon oncle Ivan. Don Carlos souleva ce dernier de terre en se penchant et le plaça de travers, devant le pommeau. Je lançai un grand cri et me précipitai sur la bête, mais il était trop tard. Don Carlos avait vu la fenêtre et déjà son cheval l'avait franchi. « Adieu !» cria mon oncle. « Adieu, je t'aime trop pour !» Le lendemain, au village, un pêcheur jura avoir vu galoper un cheval sur la mer. Deux hommes étaient sur ce cheval. L'un paraissait très grand, l'autre ne bougeait pas. Il semblait mort. J'espère que tu as apprécié cette lecture du texte du fantôme de Don Carlos. La semaine prochaine, un autre lecteur mystère sera au rendez-vous pour te divertir et te raconter un texte de son choix. Ne manque pas les indices et l'invitation envoyée par l'école. Garde le sourire et profite de l'occasion pour aller découvrir l'œuvre de Michel Tremblay. Tu pourras retrouver ses écrits en version numérique à ta bibliothèque municipale ou sur le site de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Sur ce, à bientôt.